Mesdames, Messieurs, bienvenue dans VOA Créole. Merci de vous permettre de nous rentrer à la CAIO. Une autre fois, jeudi, c'est vendredi 18 novembre. C'est le dernier soutien pour ce maintenant. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, mes nouvelles. Quelques grands points de mini actualité à la police dans la Hollande a annoncé 5 personnes pour vivre à pension d'hôpital pendant qu'ils ont arrêté plusieurs dizaines d'autres après les frapper entre dans ça qui semblait fanatique football israélien avec fanatique football hollandais. Un juge dans l'État de Texas a rejeté la décision de l'administration américaine pour régulariser le statut immigrant illégal qui marié à un citoyen américain. Et puis en Haïti, les relations entre deux branches exécutives continuent à détériorer dans le moment où aucune entité sérieuse semblait pas connaître limite pouvoir. Merci encore une autre fois. On a bien une nouvelle avec une nouvelle concernant sport. Violence pétée pendant un match football dans Amsterdam en Hollande entre fanatiques et un club football israélien avec fanatiques et un club football hollandais. Sandra Lemaire. Autorité hollandaise a déclaré jeune gens qui t'a circulé sous scooter attaqué fanatiques israéliens la nuit après un match football dans Amsterdam. Semblait attaque ça a déroulé après appel qui était publié sur réseau social yo qui mandait pour yo cibler juifs yo. Femke Halsema, c'est magistrat Amsterdam. There is no excuse for what happened last night. Lizi pas gain aucune excuse pour ça qui passé hier soir. Gain 5 monde qui recevoir soin hôpital et puis plusieurs douzaines d'autres que yo été arrêté. La police publie un message sur réseau X pour dire yo t'en met une grosse enquête pour investiguer divers incidents de violence. Pendant ce temps, athlète israélien yo gain en tournée Tel Aviv. Eran Zaravi, c'est capitaine Maccabi Tel Aviv. Lidi, nous tous voyons ça passer. C'est honte. Malheureusement, c'est dans le monde ça qu'on vit actuellement. Fanatiques ont subi gros craponnage. Malheureusement, ils ont vu garder match football et puis mais ça crivé. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dénonce l'attaque là. Lidi demain pour le 86e anniversaire Kristallnacht. Une attaque contre juifs tout simplement parce que c'est juif sous territoire européen. Ça a répété hier Noël dans la rue Amsterdam. C'est ça qui passé. Seule différence là, fois ça, c'est état juif la fine établi. Faut que nous gérer ça. Tension yo a augmenté depuis quelques jours dans la capitale hollandaise là sous question campagne militaire Israël lancée contre Gaza et Liban. Moun te ka remarqué ça avant match Ligue Europe là entre Ajax avec Maccabi Tel Aviv jeudi soir. Autorité Amsterdam yo interdit une manifestation pro-palestinien qui t'a planifié tout près stade là. Une vidéo qui publiée sur réseau social a montré aux foules fanatiques israéliens qui ont chanté slogan anti-arabe pendant qu'ils marchaient pour aller dans le match là. Sandra Lemaire, VOA Créole. Actualité sur plan politique, Israéliens avec Palestiniens applaudissent victoire Donald Trump remportée dans l'élection présidentielle États-Unis. Gentil Augustin pour plus de détails. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'est pressé féliciter Donald Trump pour sa litarelé pi gros retour dans l'histoire. Analyste dit majorité israélien satisfait ak résultat yo. I think that most Israelis are probably feeling encouraged. Moi pensé israélien ta semblé senti yo à l'aise parce que Donald Trump gagne élection ça. Israël te yon anomalie mondiale nan gros sipoli pou victoire. Li un dossier très solide depuis premier mandat. Pendant 4 années, les Donald Trump était président, Israël presque pas de jambes critiquées. Quelques électeurs Trump fait qu'on est, d'après ancien bilan président, li pral supporter Israël contre pi gros l'ennemi li, Iran. Peter, un ancien représentant États-Unis dit. First,
Premier jour président Trump est entré dans le bureau, il était suspendu de financer l'Iran. Et puis, dans le fin mandat de l'IA, Jean Lité fait remarque là pendant le débat présidentiel avec Kamala Harris. L'Iran était littéralement pas de gain l'argent. Il n'y a pas de gain l'argent pour financer Hezbollah, Outillou, Hamas. Mais, il y a quelqu'un qui lance avertissement pour 10 aides militaires importantes Israël te conjoint sous démocratie capable de pas continuer. Definitely talk the talk. Trump sans doute te parlé l'élite sous pouvoir. Mais, réalité ya, yo te bay Israël aide Iron Dome pendant mandat Obama. Et année passée, Israël te recevoir 22 milliards de dollars assistance. Moi, pas quoi gagne une chance pour gouvernement Donald Trump pral diriger ya, pral bay toute l'argent ça gratis. Jean Liren Mendy. Gen kek Palestinien qui applaudit victoire Trump là. Leader autorité palestinien Mahmoud Abbas te dit li gen confiance Trump pral travail pour finir ak la guerre en Gaza et puis mette yon état palestinien. Avant élection wan, Palestinien en Gaza te dit président Joe Biden fait yo honte. Biden passé 4 l'année sans li pa bay palestinien yo rien. Li te promet yon solution de état. Pourtant, pas gen aucune solution de état. Nous demandons des élections américaines. Si Trump gagne, gagne pitié pour Palestiniens. Dans le discours victoire, le président élite Trump promet qu'il va finir avec toute la guerre. Mais, conflit israélien-palestinien prouvé jusqu'à présent, li pas facile pour camper. Et puis, li pas clair comment li pral fait ça. Linda Gradstein, VOA News, Jérusalem, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. En plus de président des États-Unis, républicain au point contrôle Sénat dans l'élection 5 novembre. Une analyse Jacques Belize a présenté nous dit nous sur la panneau de importance contrôle Sénat pour président Elia Donald Trump. Pour la première fois depuis 4 ans, républicain a gagné une majorité dans le Sénat. Ça, sans dire peut-être, c'est un gros jour pour républicain. Républicain a remporté victoire au tap espéré dans Pennsylvanie. Yon état clé. Li semble nous mettre tête nous droite pour yon bon gens direction. Dans Texas, démocrate Colin Allred tombé devant sénateur républicain Ted Cruz qui lui-même fait promesse. I will fight for you. Mwen pral goumen pour vous, pour job ou pour sécurité ou ak pour droit constitution en bas. Tout 435 sièges dans chambre député États-Unis t'es dans course pour yon réélection. Républicain yo sous route pour yon conserver contrôle yo tout sous chambre basse là. Dans course pour sénat, démocrate yo gen garanti y a remporté Californie. Mon prend engagement pour mener bon gens combat pour me protéger liberté nous et démocratie nous. Bataille pour prendre contrôle Sénat t'a décidé côté résultat au pas clair. Cou ça t'a effectivement décidé dans état tant Ohio et Montana côté républicain Tim Scheer car les sénateurs démocrates qui étaient là déjà Don Tester. À contrôle Sénat, monsieur Trump pral capable confirmer sans problème mon l'a choisi pour pigo tribunal pays a Cour suprême nan, et l'a gagné barrière libre pour adoption programme législatif li. With a majority for Donald Trump, majorité pour Donald Trump, il est capable non seulement confirmer ministre li sans pas besoin d'appui démocrate, même genre tout pour sous-secrétaire dans le cabinet. Il y a plusieurs milliers de nominations qui sont pour faire dans le exécutif là, et spécialement dans le tribunal. Républicain, ont été contrôlé deux chambres congrès pendant deux premières années et premier mandat Trump là. L'élite montée président, c'était en 2017. Alors, côté président ukrainien, Volodymyr Zelensky était parmi les premiers leaders mondiaux qui ont salué victoire du nouveau président élu américain, Donald Trump. Valérie Saint-Louis dit nous, en pile ukrainien, exprimer inquiétude pour le nouveau président américain, pas mettre en application promesse qu'il fait pour mettre fin à la guerre, pour le forcer à accepter une entente qui favoriser Moscou. Président Vladimir Zelensky félicité Donald Trump parce qu'il a remporté l'élection mardi dernier. Il a qualifié victoire ça de impressionnant et il a dit que il appréciait engagement Donald Trump gagné dans approche li en faveur la paix à travers la force dans affaires qui concernaient le monde là. Dans la rue capitale là qui c'est Kiev, réaction yo mélangé. I think that we could expect anything from him. Moi penser que nous taka attend nous à toute bagaille dans mêli. Li capable continuer politique administration Biden nan et puis li taka vinn pi mal au soir li vinn pi bon. Li te dit que la guerre pral fini dans 24 heures temps les li vinn élu président. Eh bien, n'attend
Analyste politique Vladimir Fesenko dit que attitude en pile moun dans société ukrainienne envers Donald Trump reflétait différence qui gagne dans opinion yo sous façon la guerre avec la Russie ta doué fini. Li di, yon pati nan sosyete an fave yon rezistans kontinuel kont agresyon la Risiya. Yon pa dako ak yon la pe injis. E pi yon konsidere nèpot konsesyon yon bay la Risi, li injis. E pi gen yon lot pati moun ki yon menm an fave pi yon komanse negosyasyon yon. Avèk Donald Trump ki retoune nan Maison Blanche, kek Ukrainien ap mande tèt yo, ki sa ki pral premye etap ke nouvo administrasyon Ameriken pral gen pou l'pran anvè la Risi ak Ukraine. En pile moun kwe ke yo ka pousse yo aksepte yon akwa ki ta ka fose Ukraine kapitile, bay vague sou chan de batay la, et pi abandonne aspiration li pou ta rentre nan organisation Union Européenne nan, ansam ak organisation traité Nord-Atlantique la. Men avek an pile pet Ukrainien yo kap augmente, gen moun ki kwe ke eleksyon Donald Trump lan kapab pote espoi pou yon aksyon ki pi desizif pou arrive mete fin nan sa ki te vin tounen yon la gen manche long, et pi ki koute chè an pile. Pour VOA News, Anna Chernikova, adaptation Valerio Saint-Louis. Pour VOA Creole, depuis New York. Nous arrivons dans la première partie de nouvelle yo, la première pause. L'entourné, nous allons parler de situation politique là en Haïti, à déplacer. Ici, aux États-Unis, particulièrement dans la ville de Boston, opinion haïtienne partagée sous victoire de Donald Trump remportée dans l'élection présidentielle mardi 5 novembre. Elis Jorelas, de Viville Boston, Massachusetts. Diverses personnalités connues dans la communauté haïtienne de Viville Boston, Massachusetts, réagissent aux victoires de Donald Trump dans l'élection présidentielle américaine. Monsieur, mais c'est un coup, c'est un train qui frappe moi. Et quoi fait mal? Parce que nous avons supporté Kamala Big Time, non seulement nous avons supporté Kamala, il va falloir du Kamala Plus. Nous avons supporté immigrants haïtiens. Parce que Jim Sauvé et des bombes 7, Biden des bombes 7, immigrants. Et le Donald Trump a dit, premier jour, il prend le pouvoir là, il prend commencer à voir les Haïtiens tout partout. Mon cher, seule façon de me capable de stopper, monsieur, c'est avec votre PAM, non? Et puis votre Kamala pour l'obliger, et je ne sais pas quand entrer. Il mérite, il travaille tout ça. Et puis, il a tout côté de trouver là, vraiment. Pas de l'autre choix. Pas de l'autre choix. Il n'y a pas de choix ni pour nous, citoyens américains. Même quand on sort pour Haïti, tout, un peu, on est capable de faire un tempo sur le dossier Haïti. Il n'y a pas de choix, malgré que nous avons pile de parler. Mais nous-mêmes, nous avons voté Donald Trump parce que nous, l'était quoi, bon bagaille qui possible pour faire dans le pays ça. Kamala Harris, pas qu'à répondre à dossier ça. Mon cher, je me saisis, premièrement, c'est parce que pour moi-même, ça sent une honte internationale. Parce qu'un pays comme les États-Unis, qui sont une grande puissance, qui a géré tout notre pays sur la planète là, qui t'a doué au modèle. Et puis, journée, jeudi, il y a un candidat qui n'a pas doué même accès pour le candidat. Non seulement le candidat, l'élu de façon extraordinaire, son ragmaré le fait. Grande victoire qui a été coquée sautée dans la communauté haïtienne là, spécialement à la CAE Imitanio, qui est dans le programme humanitaire Joe Biden, avec ce programme Sleepy One. Une question à poser, est-ce qu'une déportation massive dans le Trump est lancée la campagne là? Est-ce qu'il a fait des villes monter sur le pouvoir? Erlich Dorelas, de Boston, de Massachusetts, la voix de l'Amérique. Actualité dans le pays d'Haïti, relation entre conseil présidentiel transition avec chef gouvernement, Gary Conny, a détérioré chaque jour, dans le moment, chaque pouvoir a cherché à dominer l'autre là, Emmanuel. Deux branches dans le pouvoir exécutif là, dos à dos, primature, à conseil présidentiel, là, pas arrivé, Antonio, même pour, Tachita Palé. Certains conseillers présidentiels ont refusé de rencontrer le premier ministre, là, qui lui-même souhaitait départ, membre conseil qui inculpé dans le dossier corruption BNC, hein. Nous rencontrons secteurs, yo, qui ont des vues très, très fermes. Ils ont exprimé, ils ont partagé frustration, yo. Et donc, je pense que plus que jamais, m'a encouragé le président Voltaire pour le travail avec l'autre membre CPT, yo, pour être capable de vivre une nation, qui positionne yo sous question ça parce que dans une certaine mesure ça a handicapé gouvernance là. Mais espérer que par exemple après quatre semaines ça yo que nous pas gain conseil des ministres, président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis. CPTA bon côté parle gon objectif clair remaniement ministériel. Situation ça qui pas dans intérêt population préoccupé divers militants politiques. Nous camper
pour nous continuer à demander tête ensemble, il faut qu'il fait pour nous sauver le pays, pour nous retirer le pays à côté de là. Nous continuons à demander union en mettant deux pouvoirs, à savoir primature et la présidence. Toujours dans ce qui concerne Chiré Pizza, en deux branches dans l'exécutif, il y a une source dans le conseil présidentiel là qui informé qu'il y a une résolution qui préparait et qui signe par 5 sur 7 membres votants dans le conseil là et qui visait voyer Premier ministre Gary Conny aller. Laurent Saint-Cyr et Edgar Leblanc fils, yo même yo pas signé résolution, toujours selon même source là. Quesnel Saint-Louis, yon l'autre militant politique semble mettre d'accord dans cadre de massa. Avant pour pays a effondré avec programme Gary Conny gagné k'ap mette moun yo dehors, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville là, n'a mandé avec autorité qui t'a nommé Gary Conny yo. Depuis accession Leslie Voltaire dans présidence conseil présidentiel là, même un seul conseil ministre pas organisé. Parti politique yo qui inquiété notamment sous situation sécurité paysan mandé dirigeant yo pour faire dépassement. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Sous béton même, citoyens ordinaires partagent opinion sur conflit ouvert qui existait entre deux branches exécutives là. Conflit ça qui existait dans mitan KPTA avec gouvernement montré à clé. Autorité ou pas soucié de mise en masse défavorisée. Ces déclarations plusieurs militants politiques qui te parlent dans micro avec devant caméra. C'est un conflit pour renforcer l'économie, messieurs, au détriment des peuples haïtiens. Pendant que moun a mouri Front National, pendant que moun a mouri Belé, pendant que moun a mouri Matisse, pendant que moun a mouri dans tout le pays. Oh, monsieur a bien dormi, il a peu de fabrique, nous avons tout joué. Les nègres mettent confiance entre eux-mêmes pour ne pas faire travail par nous. On comprend parce que nous ne travaillons pas par nous. En bas, c'est manger, logement, pour bien dormir. Avec mon combattant, pour qu'il y ait tourné la caille, pour qu'il y ait une sécurité. On est à côté, on mette confiance entre eux-mêmes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer. Nous même pas régler l'affaire par eux. Ni Gary Conny, ni KPTA, il n'y a pas de place dans le pays. Que tout le monde rachète mon yon. Parce que moi-même, moi, ouais, le pays n'a pas fonctionné. Parce que nous, nous avons vivre dans le pays. Militants politiques ont demandé pour des pouvoirs rejoindre un point d'entente pour capable répondre à des idées à ta peuple. Juste, nous dit, PM Gary Conny, pour chercher une unité, parce que le pays a dit que nous sommes là, nous ne sommes pas capables encore. Et pas peuple qui te mette, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils viennent servir le peuple. Faut que vous compreniez, ils viennent servir servi un peuple. Ce n'est pas le peuple qui te dit qu'ils viennent servir. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils viennent faire, qu'ils viennent faire la sécurité, qu'ils viennent faire le logement, qu'ils mettent tout le monde à l'aise, qu'ils viennent à l'école, qu'ils viennent au travail. Je dis, ni Conny, ni monsieur le président qui est Leslie Voltaire, je dis, pour mettre tout ensemble. Le Louis-Dio, coup de balle continue à chanter dans plusieurs zones, région métropolitaine Port-au-Prince, pendant toute journée vendredi 8 novembre 2024. Là. VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis ici, aux États-Unis, un juge dans l'État Texas a rejeté le décret président Joe Biden qui a adopté, moi j'ai passé à, pour régulariser le statut immigrant illégal qui m'a eu avec un citoyen américain, Marlis Pierre. Second action I'm announcing today. Un juge district américain, J. Campbell Barker, déjoint que le programme a dépassé l'autorité exécutive Biden. Le programme a offert à peu près 500 000 immigrants qui étaient entrés aux États-Unis illégalement, si au marié avec un citoyen américain, yo ka joigne un chemin pour yo vinn gen citoyenneté yo même. Initiative là que yo reconnaît comme Keeping Families Together, kembe famille yo ensemble, té lancé dans mois d'août, mais juge Barker té bloqué li jou après a. Ça qui té quitté li dans freezer pendant l'étape considérée un défi légal Texas. Ak yon coalition dans quelques états aux États-Unis, ak avocat général républicain yo té poté. Biden, yon démocrate, té annoncé programme nan dans mois juin avant li abandonner course présidentielle là. Et puis, il était fait route là pour vice-président Kamala Harris, fait face à républicain Donald Trump, du monde qui a une position très dure sous question immigration. Trump, qui était battu Harris dans l'élection Madia, espérait lancer une grosse mesure sous immigration, qui t'a gagné la dernière pile chance pour gagner l'initiative Biden, là, pour marier au soir madame immigrant, que campagne a télé, une amnistie en masse, qui t'a encouragé immigration illégale. Américains, ouais, immigration comme problème qui pille urgent, pour Trump t'a abordé le libre poste là le mois janvier et une grosse majorité croit que libre va l'autre déportation en masse monde qui a vivent aux États-Unis illégalement d'après ça un bureau vote Reuters fait connaître jeudi qui s'est passé à administration Biden qui a fait appel contre décision tribunal là Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement
à une demande pour faire commentaire. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Et puis, le programme ça va suivre là, sorti dans la capitale fédérale américaine, à Washington DC, grâce à la contribution journaliste dans ce discours là, à correspondant New York à travers le monde. Le ministre de l'Agriculture et de la Ressource naturelle haïtien a encouragé pour chercher à continuer dans le parc technologique agricole là, dans la ville Okaj, Ernst Eliskar. Ministre de l'Agriculture, agronome Vernet Joseph, qui était en tête une délégation visiter parc agricole Université américaine Caraïbe au Kaila. Après visite délégation, ministre Joseph fait connaître un pile travail qui fait dans parc là. Cependant, souhaité recherche et développement doit marcher ensemble une façon pour production capable bailler plus l'argent. Voilà, au niveau de l'université, nous passons, nous avons tout un série d'expériences qui étaient sous base de recherche. Mais il faut que, bien sûr, nous allions au-delà. En tout cas, recherchant doit pouvoir accompagner ça, nous avons dit. Un couple qui a dû former recherche et développement. Et recherche et développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire après recherche, pas après recherche pour recherche, mais après recherche pour que nous capables de porter des données de façon que nous produisons mieux, pour nous capables d'augmenter la productivité. Et ce n'est pas seulement augmenter la productivité, mais la production qui plus qui pour permettre nous de faire l'argent, parce que définitivement, nous avons une agriculture qui peut sans ou pas tenir compte de l'aspect économique, définitivement, c'est une agriculture qui veut à l'échec. Doyen faculté agronomie, université américaine Ocala, agronome Arsène Similien fait connaître visite délégation ministère agriculture dans le parc agricole et aussi Ocala pour permettre plus de monde visiter le parc là, ensuite encourager les responsables à améliorer le travail. Bon, on visite comme ça, dit un pile bagaille pour nous. Parce que un objectif parc là, ce n'est pas faire pour nous. Nous faisons pour la communauté, nous faisons pour tout le monde. Donc, les ministres, toute l'équipe, nous sommes de tous côtés. Donc, ça, c'est une opportunité nous gagner pour plus de monde connaître l'existence du parc là. Et comme nous toujours dit, le parc là au service communauté. Donc, en pile, nous avons chaque fois plus de monde visiter nous. Il y a plus de monde qui connaît que nous là. Il y a plus de monde qui demande nos services. Et il y a plus de monde qui peut permettre que nous améliorer le travail nous en tout. Donc, c'est une pile question posée. Il y a une pile idée qui baille tout. Nous allons servir à qui dé ça. Et nous allons servir à question ça pour nous améliorer tout ça nous a fait. Pour nous avoir un plus bon service à la communauté. Ministre agriculture, agronome Vernet Joseph, a tout profité participer dans le lancement 3e édition Journée scientifique sous programme PITAG qui était déroulé dans la commune Camperin. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okaï. Le week-end a commencé. La Pablo, pas conduire machine pour finir de consommer l'alcool. La pause avant de continuer avec ce programme. Nous c'est VOA Créole. Et tant qu'on nous fait chaque vendredi, je dis encore, on n'est pas changé, je donne à bonne nouvelle sur l'activité monde musical haïtien depuis l'État Floride. Musicien Alix Nozil, ancien tambouriner New Look, confirmé dans micro VOA Créole qu'il est toujours actif dans business musique haïtienne. Alix Nozil fait connaître qu'il est nouveau tambouriner Jackout No. 1 malgré que jazz n'a pas actif dans le moment à cause de quelques problèmes internes. C'est tambourineur Jacques No. 1 que m'y est. Si Pouchon, Maman, si Pouch, Waltz Lenné, Monsieur Yo, ça dit que yo pas continuer faire musique encore, nous allons continuer de travailler. Moi-même, pas ouais, moi-même qui parle bail, quel que soit le monde que lié là dans le moment. Utilisez courage, pas maintenant là, encore. C'est avec Jacques moi et dans le moment, là, qu'on est là. Pas avec pièce, l'autre jazz. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, pays d'Haïti sous liste pour participer dans le grand concours Miss Teen Univers 2024. C'est Delphine Dauphin qui pourra vous présenter le pays. I'm 15 years old and I am representing Haiti in the Miss. Mwerele Delphine Dauphin, mwen gen 15 ans, mwen se Miss Teen Haiti Univers, mwen pral représenter pays d'Haïti soti 31 octobre pour 10 novembre nan concours Miss Teen Univers 2024 nan pays Afrique du Sud. Mwen très excité pour participer nan concours nan nan pays d'Haïti, m'ap fait possible mwen pou m gagner, gen 40 pays k ap participer.
L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, groupe musical Koujaï retourne dans business musique haïtienne après plusieurs années d'absence qui n'est motivée par la mort Samba Kessi, fondateur groupe Racine, qui était mort quitté Jaza dans l'année 2016. Journée aujourd'hui, groupe Koujaï retourne dans musique haïtienne. Nouveau leader chanteur Koujaï là, Jordani Lubin alias Samba Pipo Ti Kessi, qui c'est petite Kessi, déclaré dans micro Vera Creole, Koujaï pas ta capable continuer exister. C'est voix peuple haïtien. Koujaï tourné sur plateau encore. En bon 18, red. C'est même Koujaï la même coup de tambour. On a toujours style rete voix peuple là parce que Koujaï rete Koujaï et nous pas changer. Nous pas changer non. Moi casse nous pour nous pas changer parce que nous c'est voix peuple là. Pour toute nouvelle, souvenez d'être yo, non pas monsieur Julien Rosé pour Voix Créole Miami. Eh bien mes amis, programme n'est venu en bout de là. Pour jeudi vendredi 8 novembre là, rappelez-vous si vous avez conduit, ou pas capable consommer alcool et si vous consommez alcool ou pas capable conduire. M'a dit bye-bye, la semaine prochaine là, l'autre lundi sur même plateforme ça, jeudi à noter en pile pour être dominé actualité surtout chez Pigien en capité avec le Premier ministre Garikoni, nous t'ai parlé tout de situation aux États-Unis avec élection du nouveau président, c'est Donald Trump qui lui-même commencé à travailler certainement pour commencer par désigner membre et prochain cabinet ministériel là et puis n'a pas appris que les républicains yo prend contrôle chambre sénat et d'après dernières nouvelles yo n'a suivi n'a suivi passer un très bon week-end rencontrer encore même côté encore lundi prochain bye bye. Désir Venesse, laissez-moi dire que dossier KPT avec KPM Koulian prend l'autre dimension, puisque il y a un pile secteur, il y a un pile acteur, il y a un pile dirigeant politique, il y a même qui continue à lever voyou, dimanche que KPM lever voyou, notre dossier qui est pour avec bataille ça qui déclaré et bataille ça qui déclenché entre KPT avec KPM Gaïkouni. C'est vrai que, et pas ça que un peu monde t'a souhaité, c'est vrai que un peu monde t'a souhaité ouais, que deux têtes exécutives là que yo entendu yo arrangé yo yo pote résultat réponse avec sa paye qu'on est là, mais pour un peu monde observation yo yo que c'est on litige son bataille qui existait pour que ce poste ministériel cap bataille entre nèg yo sous question de révocation trois conseillers yo et ça veut dire que peuple haïtien li perdit espoir et li dit que quel que soit le KPT quel que soit le koni et quel que soit le koni pa gen rien sérieux que deux têtes ça a vinn régler dans intérêt peuple haïtien et je dis nous capable garder clairement que gon véritable to la lito, ou imaginez que chaque vendredi, tenez bien, pour me répéter parole PM Gaïkouni et pour me répéter parole quelques conseillers non et conseillant. Chaque vendredi, yo toujours organisé conseil des ministres. Ça veut dire que ministre et huit conseillers président yo. Et ben gè presque 4 à 5 semaines là, pas jamais que ça n'est au conseil des ministres. Raison à l'issue, et parce que ni KPT, ni Koni, n'est que à couteau tiré. Parce que, il y a ensemble des secteurs dans la vie nationale là, il y a clairement dit Gaï Koni, puis il y a la chita avec les conseillers, avec présence 3 conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. Et Gaï Koni lui-même, qui quittant de ça que le secteur soit abdil, il a clairement dit que, il n'y a pas pris la chita avec. Alors, on dit bien que, il a demandé avec KPT, puis il a arrangé. Je commets Jean-Jacques pour que yo di un mot sous dossier 3 conseillers qui impliqué dans scandale corruption. Peuple haïtien n'a posé question qui côté bataille ça privé et qui côté que on dit ça qu'a fait là est-ce que l'a intérêt peuple haïtien ou dit est-ce que la vie plus mal pour nous dans condition la vie nous pendant que bandi continue à tuer mon Solino, bandi continue à tuer mon Front National, mon dans c'est après la rue, mon tout côté après la rue parce que dit pas capable encore avec insécurité, avec rangou, misère, chômage qui d'Haïti après la désivenesse. Résultat sur modèle situation qui gagne dans le pays en Libye, gros quelque assez malgré un pile dans le monde qui vit là, vous pensez que c'est un bagage qui a été fait avec l'expérience qu'il y a qu'on est là, avec le conseil présidentiel transition qui aurait les KPTA, il y a 9 membres là-dedans, mêlé avec le gouvernement qui est dirigé. Mais malheureusement, il semble que Mounio perdu dans le mi-temps et l'an mai. Parce que jusqu'à présent, si vous regardez la situation, volonté de mon côté ensemble, il n'est pas pratiquement manifesté. Malgré diverses rencontres apaisées d'autres faits pour garder et qui se capte des situations, quel est le ministère économie et finance, le cita, ministre touriste, cita ensemble, vous discutez, pour garder qui se capte l'autre approche, surtout pour le secteur culturel là, et lui veut comprendre que promoteur gagne plus de valeur, mais je veux dire, qui côté, il y a arrangé pour faire visite, surtout ça qui est pour avec session culturelle.
les un pays pratiquement a plongé ensuite par rapport avec section économique on t'a qu'a dit et tout secteur économique pratiquement yo à genoux par rapport avec insécurité. Bah, et pas seulement secteur et pas seulement secteur culturel hein, c'est tout secteur net je dis en désir c'est tout secteur net qui a genou par rapport avec question insécurité hein, parce que imagine un grand ensemble de artistes haïtiens qui est obligé quitter Haïti soit résider Canada la France ou la France et ou bien États-Unis grand ensemble de groupes haïtiens qui est obligé résider États-Unis Canada ou bien la France à cause question insécurité à désir on t'a dit. Très bien, situation qui est là, il y a un pile fois, montrer les saisons de l'école, il permet que les machines, il permet que tout le monde essaie de garder les gens. Mais je veux dire, c'est courir que mon appui qui était ensemble espacio dans la capitale pays. C'est presque chaque jour que vous entendez un organisme, droits humains, apporter des informations, des détails sur ce qui a passé en dehors pays et montrer que la situation est beaucoup plus grave au lieu qu'elle améliorer Blaise Peterson. Ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, nous voulons parler d'Antoine Augustin, qui fait connaître que l'État octroie un pile kit scolaire pour année scolaire. C'est le bilan qu'elle a fait, pour ça qu'il y a pour elle, avec question de réouverture des classes pour année académique 2024-2025. Selon données qu'elle publiées, il fait quoi gagner 66 000 kits qui distribués dans divers départements à travers le pays. Elle garde le département de l'Ouest, le département de l'Antibonite, Grand'Anse et le département de Centre. Il dit chaque département ça yo recevoir 8000 kits. C'est non qui bénéficier plus qui bénéficier 10000 kits pour qui cap pratiquement permettre que ti moun yo au moins à recevoir plein de l'instruction. Li fait qu'on est ensemble matériel ça yo qu'elle distribue à les personnes. C'est des matériels qui était là depuis sous Nesmi Maniga que li distribue là parce qu'elle déjeune ça là. Je dis mais pas oublier, il y a des enveloppes qui allouées avec ça qui vient pour eux, avec le ministère de l'Éducation nationale ou bien ensemble, le ministère, s'il devient ça ou là, eh bien, il y a des pour le bail détail sur ça qui concerne ensemble l'argent qui est le gagnant. Blaise, bataille qui gagne entre tête exécutif, c'est toute une planification. C'est toute une planification entre communauté internationale là, avec Silao qui en Haïti, pour faire jet, piquer, coller, coller au brin, pas coller au brin. Est-ce que vous partez des gars qu'on y dit ou lui-même avec les six Voltaire, il y a des bonnes relations. Il y a pratiquement et depuis longtemps, il y a des qu'on échange ensemble. Et je veux dire qui ça permet. Pendant que chaque monte exécutif il y a, il pas qu'à entendre vous chita parler, vous cherchez résoudre problème qui est là. Pas oublier tout pouvoir de transition, les personnes, vous chita sous base, à fond côté Mounsao, besoin instabilité pour faire plus tard. T'as parlé dès le début. Nous t'ai dit ça bon ici. Nous avons dit que ce conseil présidentiel de transition, c'est une crise entre deux crises que le pays d'Haïti a connu là. Je dis qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a raison, mais ce n'est pas pour raison. Nous n'avons pas bataille pour raison. Nous avons bataille pour le pays. Parce que ce qui a fait là, il n'y a pas lieu. Il n'y a rien qui semble avec le pays qui a changé la situation. Blaise, citoyen, citoyenne, habitant, qui courent, qui étaient profondés. Après un mois, cinq jours, massacre profondé, ils ont foulé le béton dans la cité de Sagé, dans la ville de Semak. Ils ont lancé un pile parole puis mon bouc contre le vice-délégué là on dit de Semak. Ils ont lancé un pile parole puis mon bouc contre magistrat Semak là nous voulait parler de Myriam Fiev. Ils ont dit ensemble mon ça yo servi avec massacre qui fait pour son déa pour yo faire gros l'argent. Ils ont parlé de l'argent cash que t'a voyé ba yo sous compte mon cashier jusqu'à présent yo pas jeune. Ils ont parlé de 800 000 plats chauds que pam de t'a bail. Eh bien, c'est 2500 personnes tout simplement qui touchent pas par question ça. Pour ça, nous sommes nerveux. Ils ont lancé plusieurs messages. Ils ont bouc devant le commissariat qui est dans la ville de Semak, devant le parquet, devant le commissariat dans le passoal. Et ils ont fini dans le carrefour pour sonder, pour demander autorité, pour dégager, pour résoudre le problème de sécurité. Bandi, basse gang, ils ont ouvert coup de zam sous un convoi qui tape sorti sous frontière, qui tape traversé Moroli en coup. On se fait recevoir balle dans le point à prendre soin qui est nécessité dans l'hôpital de la situation. Désiré bagan la ajouté que gagné ministre des affaires étrangères pays. Attendez mes amis. Attendez bien ça m'a dit en désir et décidé déjà dans émission que nous fait dans mi-temps journée hier hein. Et m'a seulement rappelé attendez ça ministre des affaires étrangères pays c'est demain maintenant dit. Et libère un gros souffle marassa avec un ministre des affaires étrangères pays d'Haïti hein, madame Dominique Dupuy. C'est vrai son madame que en plus mon apprécié pour capacité, le ouest c'est une belle tête en termes de capacité intellectuelle, il y a vraiment plus mon apprécié. Bien que il y ait de l'autre qui ouais que et c'est pas un de sérieux qu'elle a réglé, selon ça plus le monde dit.
N'a pas songé que dans journée samedi 2 novembre non les que gouvernement qui était présence PM Gaïkoni ministre Dominique Dupuy porte-parole PM nan Jean-Jules Desaugustes et puis ministre environnement pour citer ça seulement mais et autorité locale autorité municipale et de ses citoyens de jeunes n'a communiqué scof yo té décidé réuni pour que yo capable parler sous situation pays n'a intervention madame Dupuy n'a rappelé ça l'été dit que li satisfait par rapport avec baisse anti réduction dans quantité haïtien qui irrégulier qui illégal aux États-Unis c'est Domingue que l'État dominicain qui gagne dans les Luis Abinadel que lui-même a déporté la canon Haïti. Ça veut dire que pas oublier que autorité dominicaine te dit que chaque semaine il a déporté 10,000 haïtiens qui irrégulier qui pas en règle. En pile voit élevé l'État haïtien en plus monde parler sur dossier ça. Et Luis Abinadel avec l'État dominicain, il a pas campé sur déportation. Mais moi dis bien, dans journée que samedi 2 novembre non, ministre Dominique Dupuy, il était content. Il dit, il est content pour réduction dans quantité haïtien que l'État dominicain a déporté en Haïti. Et ça arrivé prend comme décision à réduire quantité haïtien qu'a déporté yo avec action que gouvernement posé, l'État haïtien posé. Eh bien, est-ce qu'on connaît gagné Fadrid Raffoul qui c'est une autorité dans le gouvernement dominicain non? Il dit que il démenti Dominique Dupuy. Il dit pas comme ça. Il dit que déclaration de Dominique Dupuy a sémantilier. Cette histoire comme si l'État dominicain est réduit dans la quantité 10,000 haïtiens qui ont été déportés chaque semaine non? Eh bien, il fait qu'on est que sorti de 2 octobre pour arriver 5 novembre. Attendez bien. Sorti 2 octobre pour arriver 7 novembre, sur un intervalle un mois, l'État dominicain déporté 60 961 migrants haïtiens. 60 961 migrants haïtiens. Elle dit, comprenez bien. Elle dit là, non, un mois, si on fait calcul là, elle dit, chaque semaine, vous avez déporté plus que 10 000 haïtiens. La marron côté madame du jeune chiffre ça lui-même alors li pa ba chiffre non mais côté jeune diminution haïtien cap déporté yo côté jeune donné ça yo est-ce que c'est à travers haïtien cap sorti dans frontière cap entrer yo en risque ou pas m'connais est-ce que c'est dio dil que quantité haïtien cap entrer diminuer m'connais mais autorité dominicaine yo démenti madame Dominique Dupuy qui là m'a dit tête moi. Est-ce que nous en a affaire avec une équipe Ban Bluffer dans l'État? Parce que c'est clair. Parce que nous avons dit clairement que nous en a affaire avec un ensemble de Bluffer dans l'État. Quel que soit le bon côté KPT, quel que soit le bon côté Kouni, avec deux membres du gouvernement. Là. Parce que je ne sais pas la fragile là. Pour que Mme Dupuy a fait, je crois que. Eh bien, il y a diminué pourtant. Mais une autorité dans le gouvernement dominicain a démenti. Et m'a bon menti, m'blis capable quoi parole autorité dominicaine non parce que c'est lui qui a voyé aller. Et lui qui a voyé aller, et lui qui a voyé aller. Et lui qui a plus qu'à quoi que autorité haïtienne non que madame Dupuy. Donc je dis, m'blis que en pile là nous comprendre, m'blis que en pile là nous comprendre que pour nous avec qui genre de monde que nous en a fait. Regardez avec qui genre de soi-disant monde que les autorités que nous en a fait dans le pays d'Haïti. Quel que soit le capité, parce que il y a trois bons capités qui ne sont pas faire une porte. Connu même capé que la goumé avec Leslie Voltaire. Leslie Voltaire dit l'affaire Emmanuel, il dit non, il faut évaluer et ministre, au moins même en temps normal, il doit évaluer dans une période de 6 mois. Gary Kony exigé avec EKPT pour prononcer ce dossier ce dossier ça. Et en pile homme politique qui a suivi. Et surtout, on est à coup, ancien PM Jean-Michel Lapin. Monsieur dit en sérieux, même l'État a des problèmes entre la primature avec la présidence. Mais il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Parce que selon PM, ancien PM Jean-Michel Lapin,
li vraiment critiqué comportement langagier que PM ga koni gagné les que c'est en public pour le mander avec et KPTA pour le dire un mot dans dossier trois conseillers. Sinon, il était qu'à réunir avec KPTA, avec président KPTA, et il dit président, mais ça pour faire. Ou obligé de dire un mot. Alors, et pas mais ça pour faire, non, mais ou obligé de dire un mot. Ok? Ou obligé de dire un mot. Alors, ce n'est pas ça qui fait. Alors, ce que je dis, et pas ça qui fait. Blaise, bon bagage oublié. Salut frère. Président KPTA, pas qu'à dire un frère. Qui est-ce qui cause président vient de côté lié à? Et dis-toi avec ça qui est impliqué à? C'est toi corrompu. Je dis, on nous trouve dans une situation qui est très délicate. Pour nous sortir là-dedans, il y a besoin de caractère, il y a besoin de conscience. Parce que 9 personnes qui sont dans le conseil présidentiel là, il y a d'accord que vous avez volé, Blaise. Dis pas toi, n'est-ce seulement, non? Toutes 9 personnes sont d'accord. Parce que vous dites, on soit fréquenté, c'est lié. Ou d'accord qu'on est moun yo la corruption, ou si ta bon côté yo, ou a fait réunion avec yo, ou a décidé avec yo, ou a mis des signatures même côté avec yo, ou pas l'autre bagaille. Sinon, quand on a même espace, et yo te clair, tout le monde sait qu'il y a un conseil présidentiel de transition. Yo te dit yo t'apprend, décision ILCC. Il te dit contre corruption. L'estivolte Voltaire te dit sa propre bouche pas le même, l'estivolte te dit. 22 jours avant rapport ULCC a été dit et si je moun sa et nek sa ou ta impliqué vraiment il a décidé mais je dis à pour dit pour dire qu'est-ce qui va dire ça passé il décide ça passé je dis ah bah décider frère ah bah il décider vraiment parce que les jeunes ont avec trois nèg et puis il est venu président alors il t'a tu président mais il est venu prendre place Smith Augustin hein. La situation même pensait que nous avons un pays qui trouve une situation qui est extrêmement difficile. Parce qu'il a sorti, oui, il a sorti. Mais il a demandé un grand sacrifice. Dans chaque secteur, dans chaque monde qui vit dans le pays, chaque haïtien qui est ou bien dans le pays, il doit consentir un sacrifice. Le monde qui n'a pas aimé le pays, puis la vérité, il y a un représentant secteur qui gagne dans le conseil présidentiel de transition, petit Dessaline. Moi, je suis dit gouvernement là, il n'y pas gouvernement peuple là. Malgré ce qu'il a fait parler, il a parlé. Et nous devons comprendre que le monde qui l'a pas dirigé pour Haïtien, l'expression. Il a dirigé pour l'Occident. Il a dirigé pour Tétio. Nous devons être très, très, très prudents. Nous devons être méfiants avec le comportement qui est là. Monsieur Moutren, qui a déplacé Pion. Pour date que vous dites qu'il a installé 7 membres du Conseil électoral provisoire. L'idée 9. Côté l'autre des secteurs, ça ne peut pas ajouter. Ça fait pas fin avec qui a sa bretonne qui moun kap vin fè pou yo moi même ou bien ou même qui pral fè pou yo y a passé moun nan bêtise yo gen okak pou yo mete campé. OK yo organise qui pral là pour contrôler action gouvernement pour contrôler action la présidence je tiens ouais ça fait yo passé nan bêtise yo oublié yo monté que c'est comme si pour un bagage qui important yo parlé de KNS Conseil sécurité nationale yo pas zone mete le campé. Je veux dire, on est qui président du Conseil présidentiel de transition. C'est lui-même qui a chantier sécurité dans même. Qui ça quelqu'un comme expertise dans la sécurité qui fait c'est lui-même qui a chantier ça. Ou pas sentir que négocier notre toiboy, c'est une situation très difficile que veut qu'un pays. C'est vrai, on est qui la valasse. S'il doit résoudre le problème de sécurité, il va résoudre. Parce que nèg yo commencé avec ça dans le pays. Yo connaît moun yo, mais moun yo te connaît, c'est pas au clan encore. Parce que majorité moun yo te connaît, yo dans mouri c'est relève qui fait. Mais c'est même outil yo. En pile dans outil dans mes yo non pile dans stratégie que nèg yo a utilisé là c'est stratégie nèg yo Leslie Voltaire gen un mois je dis a non tête concernant exactement un mois si t'as essayé de faire bilan et 4 mois l'été chaque nèg yo passé nous ka di Edgar Leblanc fils passé li sale pantalon li viré col l'aller. OK li quitte pratiquement dans situation difficile là pour compte nous li quitte dans situation compliquée pour compte elle toujours a touché l'argent l'état. L'autre la vini, et nan bagay, si kout de kanyoa, yo chakap foun kout, yo fè la zèw, yo vire. Et puis ça fait pe païsien, li pet continue à abdomen dans la rue, pet continue à courir par si par là. Yo dire nous besoin, pren dimension nous besoin d'un caractère, pour nous sauver l'honnête de la République, c'est soit nous arranger, nous shooter moun sa yo, qui dans Villa d'Akei, qui constitue tête comme président de la République, nous descendre de la primature, nous shooter. Bouda équipe moun sa qui pa prégler un yé pour pays ya. Moun sa pa ki un yé qui a prégler, Blaise.
songez qu'elle ne parle pas ici. Nous disons ce soir, nous faisons révolte, nous révoltons contre ça qui est implanté contre nous. Secteur privé comme Gadol, secteur privé, mafia qui l'a, ils sont confortables avec ça, il n'y a pas de pièce contrôle. Mais vous faites contrôle de douane, j'ai oublié. Bon, exactement, parce que pas oublier que Andy Denek qui est dans la classe politique, là, il s'est tué, il s'est resté avec. Et les gens qui sont dans l'oligarque compréhend, Haïti, là, il s'est mettu, il s'est esclave, il s'est dit. Et tout ça, il demande, tout ça, il dit, il fait appel. Je dis à moi, c'est qu'il faut que nous comprenions la situation, ça, on s'en désir. Désir, nous parlons en question de sécurité, hein, puisque il y a un ingénieur Wilbert des Hommes de Balatibonite. Et monsieur a dit des bagages qui me trouvaient qui intéressant. Et moi, c'est un pile monde qui a suivi mission ça. En pile là, ou presque fait même réaction ça ou tout. En pile là, ou presque fait même réflexion ça ou tout. Dans la réflexion que l'ingénieur Wilbert des Hommes fait, hein, sous dossier ça. Parce que, vous imaginez, vous avez d'accord avec un désir.